Je suis pas du genre trouillard. J'ai passé la nuit dans des maisons tellement hantées qu'il fallait exorciser les chiottes avant d'y mettre les pieds. Mais tu vois celle qui est brûlée? La maison noire? Chaque fois que je passe à côté, j'ai la chair de poule. J'ai pas vraiment peur, mais je ressens quelque chose. Comme une oppression. À te geler le cœur. Le plus fou dans cette histoire, c'est que ce sont les gens du coin qui en ont fait un lieu de mort. Ils avaient une telle peur des sorcières qu'ils n'ont même pas cherché à savoir quels pouvaient être les effets de la sorcellerie. Une fois la maison brûlée, ils se sont retrouvés face à bien pire que de la magie. Tous ceux qui approchaient à moins de 100 mètres pouvaient le ressentir, comme des ongles sur une ardoise. Quand on cherche le mal chez l'autre, au bout d'un moment, on va le trouver. Même s'il n'y en avait pas une once à l'origine. Salut les gens, ici c'est Mike, bienvenue sur GMI, votre chaîne dédiée aux gens, les massivement multijoueurs. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, enfin, vous êtes très peu nombreux. De toute façon, ceux qui ont suivi mes petits tweets il y a quelques jours, au sujet de la fameuse maison noire dans The Secret World, cette fois-ci, nous allons la visiter parce que j'attendais d'avoir la quête pour qu'on puisse entrer. Et une fois, en fait, je suis passé là-bas parce que j'avais fait une quête un peu plus loin et elle m'a fait flipper, quoi. C'est incroyable! C'était vraiment comme dans un film d'épouvante. Hein. Alors, pour l'occasion, j'ai tout fermé chez moi, j'ai éteint la lumière. Là, la seule lumière que j'ai, c'est celle de l'ordinateur. J'ai laissé les rideaux, comme ça, on se met bien dans l'ambiance et on va voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est vraiment spécial ce qu'ils ont fait avec, ici, quoi, dans cet environnement-là. Même pour l'occasion, on va faire mieux, on va augmenter les sons d'ambiance. Donc, les musiques d'ambiance, c'est bon. Mettre à 10, d'accord, ambiance, effet sonore, voilà, je pense que c'est bien comme ça, d'accord, ok, on y va, on va marcher, d'accord, non, c'est un peu trop, allons-y, voici la fameuse maison noire, pour moi elle était brûlée. Il faut trouver un moyen d'entrer à la... Ouais, c'est la maison qui fait ça. J'ai des petits frissons. Ça me fait penser quand j'ai regardé les films d'épouvante tout seul. J'éteins tout également pour pouvoir être bien dans l'ambiance. Je parle pas des films d'horreur, hein. Je parle épouvante. Épouvante, c'est vraiment fait pour que ça soit moi. On va aller, d'accord. On se rapprocher. Ok. C'est... D'accord. Oh, merde. Encore lui. Encore lui. En fait, non, lui, c'est... Il y a un petit event par rapport à la fin du monde, d'accord? Je vous explique. Il y a un petit event ici, dans The Secret World, qui est lié à la prédiction des Mayas. Alors, ce qui fait que, de temps en temps, il y a ce PNJ là, ce mort vivant, c'est un Maya en fait, qui apparaît à côté de vous, quoi. Et ça fait deux fois qu'il me fait la surprise ici, en plus. Généralement, il est à côté, en fait. Généralement, il me surprend pas, mais. À cause de... Oh le con, quoi. J'ai envie de le tuer, tiens. Normalement, quand il meurt, il y a une petite quête qui apparaît et puis vous devez aller à Londres, ensuite en Égypte, tout ça. Ok, on va continuer. Il réapparaît. Ouais, c'est toujours, je pense que c'est un bug parce que normalement j'ai fini la quête donc il devrait plus réapparaître. Mais bon, allez, il va nous déconcentrer dans notre. Alors, donc, devant, c'est pas possible. Entrer ici. Ça fait penser au film Poltergeist. Je sais pas si vous l'avez regardé, pour ceux qui aiment le film d'épouvante. Bilos. Donc, comme d'habitude, on va essayer de passer par l'arrière. Ouais, c'est la maison qui fait ça. Ou alors ce sont les arbres, je sais pas.
On va faire comme d'habitude, hein, on va passer par derrière. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas qu'on aille par, qu'on passe par devant. Ok, on y va. Courage. Ok, c'est bon. Cherchez les indices au rez-de-chaussée. Oh, ça s'est arrêté, brusquement. Ok, c'est bon. Mais juste pour encore l'ambiance, voilà, c'est encore mieux. Il y a du sang dans les émotions. Ok. 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 Oh. Elle pleure. Elle est où? À l'étage, vous pensez? Je veux qu'on aille voir. Ok. Fais chier. Non, je vous promets, j'ai des frissons. Non, c'est bon, c'est justement. On aime ressentir ça. Donc, je vais prendre ce truc-là qui est lié au, à l'histoire de la maison. On a bien entendu. Ah! C'était quoi ça? Ok. Voilà, je lirai ça un peu plus tard. Peut-être que si je meurs, je pourrais venir ici et voir ce qui se passe dans l'autre monde. En tout cas, quelque chose s'est passé dans cette... Quelque chose au-dessus. Il s'est suicidé. Ouais, on dirait que ça, c'est la position du bras, en fait, du poignet. Oh! Merde! Ils sont... Oh. Ils sont cons! Il n'y avait pas autant de sang tout à l'heure, hein? Terrible. Ok. Non, ça... Oh ouais, ça a disparu. Oh, encore. Ouais, tout s'est passé dans cette chambre. Enfin, dans cette salle de bain. Ok, continuons, il faut trouver les indices, là, on dit. Trouver les indices. Quand on a pas du rez-de-chaussée. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah merde, comment j'ai... Ah ok, d'accord. Je suis tombé. On a eu d'abord le rez-de-chaussée, Ah, c'est quoi ça? Elle est où? Je l'entends à gauche. Ça va être là parce que ça coule beaucoup. Ah, on a trouvé un truc. Je suis là pour t'aider, je viens en paix. Je viens en paix. Ok? Oh! Se passe. Bon, là je vais mettre l'interface pour qu'on puisse. Je puisse voir ce qui se passe ici. Je sais pas si je cache. Non, ouais, on n'aurait pas vu. Oh merde.
chercher des indices sur les tâches. Et je n'ai pas lu ce qui était écrit. Ah si, je peux. Normalement sur... Ok, Wolf, Afelita... Oh, j'ai pas lu le jeu. Ah si, si. Pacifique devant... Mademoiselle Kylian. On pense que le feu a pris un peu après le départ de la foule. Quoi, ils sont venus la tuer ? Arrivés sur place, les pompiers volontaires de Kingsmouth ont pu empêcher l'incendie de gagner les bois aux alentours, mais n'ont rien pu faire pour sauver Mademoiselle Kylian. Ah, elle a été tuée. Dont le corps fut retrouvé plus tard. La maison construite par ses soins ne répondait pas aux normes du comté. Et l'origine du feu ne semble pas suspecte. L'adjoint Dernierman demande quand même à toute personne présente sur le lieu ce soir-là, ayant connu le nain, de participer à la... Après... C'est quoi qui écrit ça? Après un rassemblement pacifique devant la maison aux écrivains, on pense que le feu a pris... Après le départ de la foule. Ouais, mais toujours est-il. C'est pas le moment de faire des pirouettes, toi. Franchement, on se calme, d'accord? Mais c'est pour m'indiquer quelque chose? Ok, venons. On est allé à l'étage, hein. On va y retourner. Je suis certain que c'est encore dans la salle. Ah. Il y a autre chose. Il n'y a pas quelqu'un dans ce... Il y a autre chose dans cette maison. Ah, finalement, ça peut apparaître comme ça. Ok. La courte cérémonie funèbre de Carrie Kylian. Qui s'est donné la mort dans des circonstances tragiques a eu lieu ce week-end. Personne n'y assistait, mais notre pasteur a demandé aux habitants de Kingsmouth de réfléchir à l'importance de la vie en communauté. Le conseil municipal a généreusement pris en charge les frais de crémation de la défunte et un site funéraire a été réservé près de sa maison et y repose depuis dimanche. Ça n'a pas l'air qu'elle y repose vraiment, hein. Je veux dire à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire d'autre? Chercher. Oh, lui, attends, lui. Ah oui, lui, c'est pour un événement de. What? Viens, je t'attends. Viens. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je t'attends. Tiens. Alors, oui, c'est un gros monstre qui passe à l'extérieur. C'est pour un événement de raid à faire. What the... Oh merde! Sors de là! Oh, t'as autre chose! Ah, c'est comme mon Maya là. Ça! Bon. Voilà, on est mouru. Bon, là c'est ma faute. C'est... Ok. On doit être pas loin de la maison. Là-bas. Ouais, c'est ça qu'on... Je sais qu'on voulait qu'on fasse, non? Qu'on regarde, justement. Donc, on va rester dans le monde des morts et voir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que là, on va voir la dame. Et on va voir si on peut entrer par la porte principale. Oh! C'est elle? Chut, calme, relax. Bon, si j'ai mort, elle peut pas me tuer deux fois. Carrie? Où la suivre? C'est une vilaine gueule. Ça va? Elle est montée. On va la suivre.
Je l'ai dit, on n'est jamais, on peut pas mourir deux fois. Alors, qui est avec toi ici? Carrie? Voilà, je vais mettre la première. Voilà, la première personne, comme ça. Vous serez mieux dans l'ambiance. Bon, apparemment, il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Vous voulez qu'on aille au sous-sol? Ok. On va voir si on va croiser quelque chose de particulier. Ici, une bougie. Bon, vu qu'on est mort, on peut pas utiliser ça. Ok, je vais retourner à l'étage pour aller pour me réincarner. Enfin, pour retrouver mon corps. Ouais, pour me réincarner, puisque j'ai réintégré le corps. Ça veut dire réincarner. Ouais, réincarner. Ok, on va ouvrir ça. Merde! Tu fais chier! Ah, il casse l'ambiance là! Non, je peux pas sortir. J'aurais dû le faire avant. God damn it. Donc je m'excuse pour les gens que ça spoil, hein, qui voudraient faire la quête, mais bon. Je peux vous montrer combien de fois c'est immersif ce jeu là. On va continuer. Si on prend la peine de lire les quêtes, de bien vivre l'ambiance, quoi. Et on peut dézapper les choses. Ouais. Ah, c'est elle. On est là pour t'aider, hein, Kerry. T'inquiète pas. On va résoudre ce mystère. Hein. On est certain que tu n'étais pas suicidé. Ok. Donc on va se mettre là. C'est elle, je suis certain, hein. Espèce de. Ok. Apparemment, on est probablement obligé de mourir à ce niveau-là. Enfin, quand on tarde trop. On va aller au sous-sol. On est là pour t'aider. C'est bon. Allez. On veut savoir ce qui se passait réellement. Alors, FNC. Oh. Ah, encore lui. Fait chier. Ouais, c'est le Maya. Je disais qu'il allait apparaître aussi. Chose. Donc on avait la bougie. Ok, on va activer ça. Une spéciale. Chercher des indices. Rien ne se passe. Ok, il y a un truc qu'on doit faire avant. Non, non, c'est juste lui qui a fait la pirouette encore. Ah! Testament de Kerry. Pensez qu'on l'aurait tué? Moi, je suis certain qu'on l'a tué parce que la maison qu'on brûle après. Testament de Kerry Killian. Moi, Kerry Killian, domicilié à Solomon Island, état du Maine, prends les dispositions suivantes en cas de décès. En premier lieu, je veux que le produit de la vente de mes biens aille à une œuvre de charité. Je veux que celle-ci soit établie hors de cette île. Je fais de mon mieux pour aider les habitants de cette dernière sans rien recevoir en retour. Je pense qu'ils seront contents d'être débarrassés de moi.
En deuxième lieu, je veux que mon corps soit incinéré après ma mort. En troisième lieu, je ne veux pas que mes cendres soient enterrées dans ce sol froid et dur, mais dispersées dans l'océan, là où vent et marée m'emporteront loin de ce qui s'est produit ici. Je suis certain qu'on l'a assassiné. Trouver la sépulture de Kerry. D'accord, on y va. On dit qu'ils l'ont fait. L'ont enterré à l'extérieur, c'est ça? Ouais. Je me souviens avoir vu un petit cimetière. Et voilà notre maison noire. Pour moi, il y a autre chose qui va se passer parce qu'il y a l'histoire de bougie. Alors, il faut trouver le cimetière. C'était pas loin d'ici. On va courir un peu. C'est pas loin d'ici. Ouais, c'est un petit cimetière, rien du tout. Hein. J'avais juste vu des pierres tombales. Ouais, je pense que c'est là-bas. Mais attention. Bon, là on va remettre ça parce que. Il y a. Ah, j'ai l'air raté en fait. D'accord. C'était là-bas. Voilà, c'était ici, c'est ça. Kerry Killian, sa vie fut péché. Ah ouais, c'est vrai, on pensait qu'elle était sorcière. Puis son esprit trouvait la grâce dans la mort. Ah, en fait, oh, c'est pas aussi dramatique. Oh, God, on est là pour t'aider. C'est protégé. Symbole des Illuminati. Non, c'est pas bon. Je pense qu'il y a une combinaison à faire. D'accord. C'est une combinaison à faire. Pour récupérer ça. Ouais, c'est protégé par. Donc, j'imagine qu'en fait. Qu'il a grogné. Ok, c'est lui. Donc, j'imagine que on peut trouver ça. Utiliser étrange. Ah, trop tard. Ok, qu'est-ce qui peut nous aider là? Ah, peut-être la manière dont ça a été fait en fait. Ouais, je veux dire le sens, comment ça a été créé le rayon. Ça suivit une direction, non? On va voir. Ça commence ici, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ok. Donc comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah. Vas-y, avant que ça se réinitialise. Ensuite, comme ça. Voilà. C'est bon. Magnifique. Allez, maintenant, on va dans le lac. Ah, je pensais qu'il y aurait eu quelque chose de plus. Horreur, quoi, mais. C'est super. Mais c'est vraiment comme dans les autres dans les films d'épouvante, hein. C'est-à-dire ça commence dramatiquement, il y a un truc qui se passe et puis à la fin c'est non, c'est moins pire qu'on le pense. Hein. Et c'est vraiment, juste de en fait d'aider les morts quoi, parce que c'est ça qu'ils vont souvent vous demander en fait. S'ils font tout ce bruit là, c'est pour attirer l'attention. Comme ça vous allez les aider soit à venger, soit venger leur mort, soit les aider à partir en paix. Voilà, ça m'est arrivé. On va prendre ça, on va mettre ça ici. Voilà.
Ça a été fait et la petite récompense. Donc voici une quête qui semblait qui a commencé assez c'est épouvantable, mais dans le sens épouvante, hein. Et non pas moche. Finalement, c'était juste aussi simple que ça. Il fallait juste lui permettre de reposer en paix. Voilà, la fameuse maison. Voilà. Mais il va sûrement se passer autre chose dedans parce qu'avec la bougie là, je pense que c'est sûrement pour une autre quête. Une autre mission qui vous demandera d'y retourner. Donc voilà, merci les gens d'avoir été patients et de regarder ça. Je m'excuse encore pour les personnes qui jouent à ce jeu ou bien qui comptent y jouer et je les ai un peu spoilés. Mais c'est juste pour vous montrer encore la beauté justement des missions de ce jeu là. Qui me demandent vraiment d'être un peu plus. Enfin, qui sont vraiment très immersifs. Hein. Non seulement immersifs, mais en plus liés entre elles, du début à la fin. Dès la première quête que vous avez commencé jusqu'à la dernière. Toujours lié. Toujours lié entre elles et c'est ça qui est vraiment bien quoi. En tout cas, voilà, c'est tout. Alors donc on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Hein? Donc je disais, allez, donc merci à tous d'avoir été patients pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao, ciao. Ouais, c'est un jardin d'enfants. Enfin non, c'est un jardin d'enfants. Et là, c'est juste les seuls survivants que vous avez dans cette ville-là. Pas beaucoup de monde, hein. Puis quelques gardes ici, là. Il y a beaucoup de personnages ici par contre. Il y en a un qui est poursuivi. C'est comme ça. Ah ouais, c'est ici dans vos secrets. Il n'y a pas de temps mort. Allez, ciao ciao les gens.